Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Venez à Jésus, vous qui êtes fatigués et chargés. Il vous donnera du repos. Salut Marc. Salut Franck. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi? Cela faisait très longtemps qu'on ne s'était plus revus. Tu sais, je suis très occupé pendant ces derniers temps. D'accord. J'aimerais quand même t'inviter à prendre un verre avec moi dans le restaurant d'à côté. Je suis vraiment désolé. Je ne pourrai pas, car, actuellement, je suis en train d'évangéliser. S'il te plaît, accepte ma proposition, pour une fois. Accorde-moi juste quelques minutes. Tu sais, je ne prends plus d'alcool, car j'avais promis à Dieu de lui consacrer mon corps. J'ai déjà fait une croix sur la vie de débauche et de l'ivrognerie. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles en moi. Je te conseille aussi d'arrêter cette vie d'ivrognerie et de donner ta vie à Jésus comme moi. Tu sais quoi, mon ami? Il n'y a pas que les boissons alcoolisées dans ce restaurant. Tu peux prendre des boissons non alcoolisées et bien d'autres si tu le voulais. Ne t'inquiète même pas pour l'argent. Je prendrai tout en charge. Ok, ça marche. On y va alors. Super. Que voulez-vous que je vous sers à boire? Donnez-moi 2 bouteilles de champagne, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Franck, pourquoi as-tu commandé 2 bouteilles de champagne? Je t'avais dit que je ne voulais pas boire de l'alcool. T'inquiète, pas mon ami. Tu vas juste goûter à cela. Vraiment. Ce champagne me rafraîchit énormément la gorge. Cette boisson est tellement douce. Je pense que je vais reprendre une autre bouteille. Boire seulement, mon ami, cela te fera énormément de bien. On ne vit qu'une seule fois. Profite maintenant. Tu as parfaitement raison. Vraiment, la boisson était très fraîche. Cela m'avait tellement manqué. Serveuse, amène encore une autre bouteille de champagne. C'est très bien. Je savais très bien qu'il allait tomber à ma dose d'alcool. Salut, jeune homme. Tu es très belle. Merci. Voudrais-tu passer la nuit avec moi? Je te promets que je te payerai très bien. Avec plaisir. On y va chez toi alors? Oui, avec plaisir. On y va chez moi. C'est incroyable. Monsieur l'évangéliste venait de partir avec une belle nana, sans me dire au revoir. Moi aussi, je vais rentrer chez moi. Oh. J'ai bien dormi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne te rappelles plus de moi? On avait passé la nuit ensemble. Maintenant, je vais partir. Merci pour la somme que tu m'avais donnée hier soir. Tu es très gentille. Je t'ai laissé ma carte de visite sur ta table. Si tu avais encore besoin de moi, n'hésite pas du tout à m'appeler. Au revoir. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait comme cela? Je venais de retomber dans la débauche à cause de mon état d'ivresse. J'avais pourtant promis à Dieu de ne plus jamais commettre ce péché. Je n'arrive pas à croire ce qui venait de se passer. J'irai voir un frère en Christ afin de me confesser. Comme je te le disais, frère, voilà ce qui m'était arrivé. Je suis retourné dans mon péché. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'avait poussé à faire cela. J'avais pourtant consacré mon corps à Dieu depuis plusieurs années. Je ne veux plus vivre dans le péché. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, car je sais que j'ai offensé mon Dieu. S'il te plaît, frère, aide-moi. Comment pourrais-je surmonter ce péché qui me retient captif? Frère Marc, tu aurais dû éviter l'alcool afin de ne pas retomber dans la débauche avec cette femme. Tu sais, Lévitique 20 verset 26 dit ceci: vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Hébreux 12 verset 14 dit: sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mon frère, pour ne plus tomber dans le péché, tu dois éviter et dire non à toutes les choses qui te feront tomber.
Tu dois être capable de chasser, au nom de Jésus-Christ, toutes les pensées mauvaises de ta tête. Tu dois te séparer de tous les mauvais amis, ou personnes, qui te feront retourner dans le péché. Tu ne peux jamais atteindre la sainteté, en t'associant avec des pécheurs, ou des païens. D'accord, mais tu sais, c'est parce que, je voulais faire plaisir à mon ami, que, je l'avais suivi dans ce restaurant. Tu n'aurais pas dû, car, c'est cette décision qui t'avait conduit dans le péché. Tu aurais dû faire plaisir, à Dieu qu'à un homme. Sur ce point tu as raison. Tu dois apprendre à dire non, à tout ce qui pourrait compromettre la foi, que tu as en Christ. Cela ne veut pas dire, que, tu seras méchant, avec les gens. J'aimerais savoir si, je pourrais apporter mon soutien, à un païen qui en a besoin. Bien sûr, par contre tu ne dois en aucun cas participer à ses péchés. Notre Dieu est saint, et ceux qui le servent, doivent être saints. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous séparer de toutes les choses impures. Et nous consacrer au service de Dieu. Nous devons connaître, et observer tous ses commandements. Nous devons préserver notre vie, et éviter tout ce qui pouvait ternir notre image. Nous sommes des petits Christ sur cette terre. Du coup, nous devons être irréprochables en toutes choses. Nous devons être intègres et droits. Nous devons vivre une vie de sainteté et de pureté. Super, merci beaucoup frère pour toutes ces paroles d'encouragement. Je comprends maintenant que, je dois me séparer des choses du monde, peu importe le prix à payer. Dans un premier temps, je vais implorer la miséricorde de Dieu sur ma vie. C'est exactement cela frère Marc. Au revoir frère Marc, que le Seigneur Jésus-Christ t'accompagne. Amen. Vraiment les paroles de ce frère m'avaient tellement édifié. Il venait de me recharger. À partir de maintenant, je ferai très attention à toutes les personnes que je fréquenterai. Salut Marc. Salut Alexandre. Où étais-tu passé depuis tout ce temps? Je ne t'avais plus jamais revu. J'étais juste occupé par le travail. Je suis très ravi de te rencontrer aujourd'hui. J'aimerais qu'on aille prendre un verre, comme on le faisait dans le passé. Je suis vraiment désolé, je ne pourrai pas. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je ne te reconnais plus du tout. Aujourd'hui, je suis un chrétien. Je ne prends plus d'alcool comme je le faisais auparavant. Waouh, tu as énormément changé. Je ne pouvais jamais imaginer qu'un jour, tu pouvais refuser de prendre de l'alcool. Tu sais, je te conseillerais de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, comme moi. Je pense qu'on ne pourra plus traîner ensemble, car nous n'avons plus les mêmes délires. Bon, bonne continuation, à toi, au revoir. Au revoir. Maintenant, je ne permettrai plus à l'ennemi de passer, par qui que ce soit, pour m'avoir. Désormais, je préférerai plaire à mon Dieu qu'à un être humain. Je prends l'engagement de perdre l'amitié de tous mes amis qui veulent m'entraîner loin du chemin de Dieu. J'ai décidé de me séparer de toute chose contraire à la parole de Dieu. Maintenant, tous ceux qui s'approcheront de moi, connaîtront ma position en Jésus. Je suis déterminé à adorer mon Dieu dans la sainteté. Dès aujourd'hui, je suis inébranlable, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège, votre sœur Pélagie. Et votre frère André.